Adepte de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand film malade. Mais d'abord, c'est quoi un film malade? Eh bien, pour me la péter un peu, je vais vous citer François Truffaut, qui disait que ce n'était rien d'autre qu'un chef-d'œuvre avorté. Une entreprise ambitieuse qui a souffert d'erreurs de parcours. Selon lui, cette notion de grand film malade ne peut s'appliquer évidemment qu'à des très bons metteurs en scène, à ceux qui ont démontré dans d'autres circonstances qu'ils pouvaient atteindre la perfection. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est malheureusement l'un des plus illustres représentants de cette catégorie. Il s'agit du 13e guerrier de John McTiernan et aussi un peu de Michael Crichton. Au 10e siècle de notre ère, le poète et intellectuel arabe Ahmed Ibn Faldan se voit banni de Bagdad après avoir imprudemment séduit l'épouse d'un important dignitaire. Envoyé en tant qu'ambassadeur dans les terres barbares d'Asie mineure, il fait la rencontre d'un groupe de vikings dirigé par le vaillant Bulwaif. Quand ces derniers sont appelés au secours du roi Rosgar, notre héros n'a d'autre choix que de les accompagner loin vers le nord. Après de longues semaines, le groupe parvient enfin à destination, un village qui vit dans la terreur d'une horde de démons ni hommes ni bêtes, les Wendels. Avec ses 12 compagnons d'armes, Ahmed Ibn Faldan devra protéger le village, mais aussi se lancer dans une périlleuse expédition au cœur du territoire des Wendels pour y affronter leur redoutable mère. Au fil de ses péripéties, l'homme de lettres va apprendre à respecter les rustres nordiques et finir par se considérer comme l'un d'entre eux, le 13e guerrier. Ceux parmi vous qui sont versés dans les lettres classiques auront sûrement reconnu dans ce pitch moult éléments du poème épique médiéval Beowulf. À moins que vous n'ayez vu l'excellente adaptation réalisée en performance capture par Robert Zemeckis. Ou encore la grosse bouse avec Christophe Lambert sortie justement la même année que le 13e guerrier. Bon, celui-là, il est dispensable, hein. Et pour les autres qui n'ont juste rien compris à ce que je raconte, il va nous falloir un montage. À l'origine du 13e guerrier, il y a le roman Eaters of the Dead, publié en 1976 par le célèbre Michael Crichton. Un auteur qui a toujours pris un malin plaisir à brouiller les repères entre fiction et réalité, y compris dans ses œuvres les plus ouvertement fantastiques. Ainsi, que ce soit dans la variété Andromède, Sphère, Congo ou encore Jurassic Park, tout est fait pour persuader le lecteur que les aventures décrites ont réellement eu lieu. Eaters of the Dead n'échappe bien sûr pas à la règle. En partant du bon vieux principe que les contes et légendes prennent leur source dans la réalité, Crichton s'est en effet amusé à imaginer quels événements auraient pu donner naissance au mythe de Beowulf. Pour remplacer le monstre Grendel, il s'est basé sur une théorie très à la mode dans les années 70, qui supposait que des tribus néandertaliennes avaient survécu bien au-delà de la préhistoire dans des poches reculées du monde. En ce qui concerne la mère de Grendel, le romancier n'a eu qu'à suivre sa logique pour en faire la guide spirituelle des Wendels, une tribu imprégnée, comme toutes les sociétés préhistoriques, de féminins sacrés. La véritable idée de génie de Crichton sur Eaters of the Dead, c'est d'avoir nommé comme le personnage principal et narrateur du récit une figure authentique du 10e siècle.
à savoir le poète Ahmed Ibn Faldan qui a bel et bien rencontré les Vikings lors de ses voyages en Europe. Les trois premiers chapitres du roman sont en fait un quasi copier-coller des manuscrits de Faldan. Ce n'est qu'à partir de l'expédition vers le royaume de Hrothgar que Crichton prend véritablement en main le récit, mais tout en continuant d'imiter le style du poète arabe. A partir de là, bien malin celui qui pourra faire le distinguo entre fiction et réalité. Quand on se penche un peu sur les thèmes de Eaters of the Dead, à savoir le choc des cultures... l'humanité face à la barbarie... la lutte à mort en territoire hostile... le langage et la communication, le réel contre la fiction, etc., etc. Il ne fait aucun doute que John McTiernan était le cinéaste parfait pour porter ce roman à l'écran. Afin de s'en convaincre, rien de tel qu'une petite balade au Macti Park. Tout d'abord, on a Nomads, où des esprits esquimaux débarquent dans le Los Angeles des années 80. S'ensuit Predator, où Schwarzenegger retourne littéralement à l'âge de pierre pour affronter, dans une jungle antédiluvienne, un extraterrestre blindé de technologie. Quant à Piège de Cristal, c'est le duel à mort entre l'Européen cérébral et sophistiqué et le cow-boy à l'intelligence purement instinctive. Dans À la poursuite d'Octobre Rouge, McTiernan met en scène une gigantesque partie d'échecs entre Russes et Américains en pleine guerre froide. Puis dans Medicine Man, il retourne dans la jungle primordiale, menacé cette fois par le monde moderne. Avec Last Action Hero, McTiernan s'amuse comme un petit fou à confronter monde fictionnel et monde réel. Et enfin, Une journée en enfer, la suite de Piège de Cristal, très cinéma vérité. Comprenez qu'il redigère tous les codes de la nouvelle vague dans un film d'action, se faisant ainsi le miroir des intentions du premier volet. Oh, et puis j'ai failli oublier son premier long-métrage semi-professionnel, qui causait déjà de vikings. La démarche de Crichton, que l'on pourrait qualifier de naturaliste, John McTiernan va la reprendre à son compte, mais en utilisant ses propres outils de cinéaste. Ainsi, il va poursuivre le travail sur la caméra à l'épaule qui était déjà au cœur de sa mise en scène sur Une journée en enfer. Un style très brut de décoffrage qui fera d'ailleurs école dans un grand nombre de films d'action des années 2000, pour le meilleur comme pour le pire. Son directeur photo, Peter Menzies Jr., recevra également comme consigne d'éclairer entièrement le film à la lumière naturelle, y compris pour les scènes nocturnes. Un véritable exploit technique qu'il parviendra à réaliser en utilisant de la pellicule ultra sensible et en flashant le négatif. Le tout pour un résultat majestueux que n'aurait pas renié Akira Kurosawa. De leur côté, le chef décorateur Wolf Kruger et son équipe vont se livrer à une reconstitution historique minutieuse pour donner vie à un village nordique criant de vérité. C'est pas compliqué, tout dans le film respire le Moyen-Âge. Non, parce que sans déconner, si quelqu'un est capable de me dire à quelle race actuelle correspond le clébard là... Hormis Antonio Banderas, Diane Verona et Omar Sharif pour un petit rôle en clin d'œil à David Lean, le casting va entièrement être constitué d'acteurs inconnus du grand public et pour la part scandinave. Il avait été question à un moment que Schwarzenegger, grand copain de McTiernan, fasse une apparition dans un rôle de viking, mais finalement ils ont préféré prendre le grand rouquin là. Ce qui n'est pas vraiment un mal pour immerger totalement le spectateur dans l'univers du film. D'ailleurs, à propos d'univers crédible, avec cette histoire d'arabes rencontrant des vikings, la question de la langue allait inévitablement se poser. Quelle option choisir? Cela jouer ultra réaliste à la Mel Gibson, ou mettre tout le monde à l'anglais pour pas s'embêter et faire plaisir au studio? En réalisateur surdoué, McTiernan va régler ce problème par le simple biais de sa mise en scène. Il nous avait déjà montré ce qu'il était capable de faire dans ce domaine avec ce plan très malin d'Octobre Rouge. Sir, Edu Kaktats, Blagen, Botros Vujushi, Ikraniashi Adiej du Svaju, Yon Sabralek na miesta. Называй мае по-еврейски Армагеддон. And the seventh angel poured forth his bowl into the air, and a voice cried out from heaven, saying, It is done. A man with your responsibilities reading about the end of the world. Là, en une scène hautement virtuose, la langue nordique, jusque-là complètement incompréhensible pour le spectateur, va se teinter progressivement d'anglais au fur et à mesure qu'elle commence à faire sens pour le personnage d'Antonio Banderas. Procédé habile qui a également le mérite de renforcer l'identification au héros et de suggérer les longues semaines de voyage vers le nord. Franchement, on en a taxé certains de génie pour beaucoup moins que ça. Voilà, on a une super histoire, le réalisateur idéal, donc en toute logique, ça va foirer dans les grandes largeurs. Ben oui, rappelez-vous qu'on parle d'un film malade. Je vous dis donc à bientôt pour la deuxième partie, un peu plus amère, de cet épisode consacré au 13e guerrier.